C'est parti pour un PVP test avec Iwax. Et Nutrof 200. J'ai l'initiative, j'espère que ça va rester. Ouais, cool. Cool, fun, fashion. On va rusher parce que c'est un crat tout simplement. Est-ce qu'il a de l'esquive? Putain, ouais, j'ai oublié de mettre des trophées esquivés, moi, tel un cajot. C'est pas grave. Au moins 2 PM, ça c'est bien. Moins 1 PM, ça c'est parfait. Il lui reste plus que 3 PM. Et j'en ai encore un petit dernier, il lui reste plus que 2 PM. Alors par contre, moi j'ai pas beaucoup d'esquive PM du coup. Je vais en perdre également pas mal. Ce sont des choses qui arrivent. Je crois qu'il est terre, donc j'ai 25% terre, ça reste correct. Même si, ouais, il m'a l'air d'être violent, donc... Je pense qu'on va essayer de le jouer rush plus qu'autre chose, quoi. J'ai pas mal de moyens d'esquiver une punitive. Merde, qu'est-ce que c'est que cette merde qui arrive sur mon écran? Tel un screamer des montagnes. Alors là, j'ai le boost puissance de la chance. Du coup, on va en profiter, on va roxer un peu. Après, ça se trouve, il a un bon corps à corps, faudrait que je l'évite, quoi. Mais je pense que ça devrait aller. Ah, j'ai oublié de booster mon appel animé, mais je pense pas qu'elle... que ça va me servir dans ce combat là. Donc là je vais rusher. Je pense que je lag ça, donc peut-être baisser un peu la qualité. Ouais, c'est déjà le cas en fait, donc on va pas rebaisser. Ok, alors c'est Fall Space. Alors il nous fait son sa flèche de dispersion, donc là ce que je corrupe 6 full boost, peut-être que ouais, peut-être qu'on va corrupt, ouais. Ah ouais, ou alors je mets un sac animé. Ça le soignerait combien? Merde, d'habitude ça affichait le soin. Allez, on corrupt. Donc 500. Ça va, franchement 500 ça va. Pas besoin d'enlever de PM hein, vu qu'il va être passé son tour au prochain. Donc pas besoin. 169. Donc là, ça passe. C'est assez cheaté ça quand même, je trouve. Contre les crates, pouvoir corrupt, ouais. Comme ça, tel un chacal des forêts. Ah merde, je peux... Ah oui, bah je suis con, oui. J'ai oublié ce petit détail. On peut pas cac après une corrup. Mais c'est pas grave, au moins j'aurai la maîtrise pour le prochain tour. Mais bon, c'est pas très grave. J'avais zappé ce petit détail. C'est la vie. Allez. Cette pièce. Je reste à son cac, en plus je le tag. Donc bon, il va faire une... Il va faire une flèche de recul, mais bon. Ce qui est bien, c'est qu'il aura plus ses boosts, en fait, à sa prochaine punitive. Donc ça, c'est quand même... Je pense que j'ai bien fait quand même de corrupt. Ah voilà, le retrait PO, je le redoutais un peu. Mais je crois que ouais, ma portée reste pas trop dégueulasse. Alors je vais peut-être aller lui caser un cac. Ouais, je crois que je vais full rush là. Ah, je vais rusher. Hop, 572. Et un coup de cac qui peut monter très haut si je fais un crit. Ah ouais, quand même, ça fait mal. Hein. Un coup de cac qui passe à moins, un petit peu moins de 800. Et un peu de res, donc... Sans les res, ça va te faire vraiment mal. Donc là il a une pupu, mais non, mais c'est même pas son tour, il l'a lancé au tour d'avant, donc non, ce combat ça se déroule sans trop de problèmes. Mais j'ai bien, bah j'avais l'initiative déjà, c'est je pense très important. J'aurais dû, enfin je devrais m'acheter des trophées initiative si je veux PVP. Parce que ouais, c'est quand même assez important quoi. Parce que si j'avais pas l'initiative dans ce combat, ça aurait été vraiment totalement autre chose quoi. Donc là il me fait une flèche destru. Je vais essayer de le kill, mais c'est pas sûr que j'y arrive à ce tour-là, en fait. On va essayer, hein. Ah, si, ça devrait aller. Ça tape combien, là, ça? 169. Ah, pas sûr encore. Ouais, non, c'est pas sûr du tout. Sauf si je fais double crit. Ah, bah non, mais j'avais mal compté, ouais. Non, mais mon double crit, ça passe pas. C'est pas grave, on va attendre au prochain tour, faut être patient. Moins 3 PM à la maladresse. J'ai de la chance pour le retrait PM dans ce combat. Parce qu'il a 58 d'esquive, c'est pas énorme, mais j'ai pas non plus trop de retrait, moi. Une flèche punitive à moins 740, je suis mid-life. Plus une destru... Oula, j'ai bugué là. Plus une destruction, pardon. Une flèche destructrice, pardon. Pff, destruction, je confonds avec l'épée. Et bah ça va être gagné dans ce combat. Hein. Ça va être gagné. Je l'ai testé ce sort un peu. Ouais, il est pas mal ce sort quand même. La maladresse de masse, absolument que j'utilise contre les mecs qui s'équipent en full retrait PM. Parce que comme ça, maladresse de masse, bim, moins 2 PA pendant 3 tours. Franchement, ça passe propre. Bon, voilà, bien joué à